les vieux problèmes. Les vieux problèmes très souvent ne se voient plus, alors on ne sait plus avec quels yeux les regarder. Les vieux problèmes très souvent ne parlent plus, alors on ne sait plus de quelle oreille les écouter. Les vieux problèmes sont tellement bien cachés qu'on ne sait même plus comment les retrouver. Les vieux problèmes sont souvent désordonnés, alors on a perdu le dossier qu'il fallait traiter. Les vieux problèmes vous font parfois revisiter de bien étranges contrées qu'on voudrait seulement oublier. Les vieux problèmes sont tellement dispersés qu'on ne sait même plus de quel côté les chercher. Les vieux problèmes sont parfois si speedés, ils filent à 220 bienfaits, comment faire pour les dépasser? Les vieux problèmes sont flous comme quand on est né. Très souvent, on ne sait plus par quel chemin on est passé. Les vieux problèmes, ça ne dort jamais que d'un œil. Et c'est eux qui nous réveillent à longueur de nuit et d'année. Les vieux problèmes sont parfois si verrouillés qu'on ne sait même plus s'il existait des clés. Les vieux problèmes très souvent ne se voient plus, alors on ne sait plus avec quels yeux les regarder. Les vieux problèmes très souvent ne mangent plus, alors on ne sait plus à quelle fin il faut se vouer. Les vieux problèmes depuis longtemps sont masqués, alors on ne sait plus comment les identifier. Les vieux problèmes sont tellement bien codés, comment les déchiffrer? Comment les deviner? Les vieux problèmes sont parfois si verrouillés quand on a jeté les dés, on a perdu les clés. Merci beaucoup.